Yo tout le monde, c'est Fintech sur toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Ta vidéo c'est à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr, le plus important, c'est de tous rentrer mon code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir et bien sûr, bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu lâches un petit pouce bleu et bien sûr il va falloir commenter ton pseudo IP Games dans l'espace commentaire et bien sûr tu mets le code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. C'est pas obligé mais cela me fait vraiment super plaisir. C'était Fintech, allez ciao tout le monde. Salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre et miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Cela me fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, voilà. Là, pour ma troisième fois, je vous invite aussi à vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case, soutenir un créateur et de tous entrer le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous aviez au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement essayer une toute nouvelle astuce pour obtenir des tickets de remboursement gratuitement. À ce moment, je vais vous montrer dans mes paramètres que je ne possède aucun ticket de remboursement. Remboursement épuisé, il me reste 0 ticket de remboursement. Alors c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui simplement vous montrer comment obtenir 2-3 tickets de remboursement gratuitement. Alors je sais pas si vous avez suivi l'info, il y avait des skins qui se sont fait rembourser, les skins super héros noirs et le skin super héros blanc. Du coup ils se sont fait rembourser parce qu'ils dégradaient les performances du jeu et on les voyait même pas dans le noir. Tout simplement ça serait un skin, il était vraiment cheaté. C'est pour ça il y a plusieurs joueurs ils se sont fait rembourser le skin de super héros blanc, super important. Alors simplement pour commencer l'astuce, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans votre casier et là vous allez sélectionner skin que vous voulez plus avoir dans votre casier. Exemple, moi je choisis le skin banane, je fais sauvegarder et quitter. Là j'ai choisi aucun bouclier, hop là, aucune pioche, hop là, aucun planeur, voilà, hop là, sauvegarder et quitter. Je pense pas que ça serait utile. À ce moment vous allez vous rendre dans le lobby, là vous allez faire signalement et retour. Signaler un bug, vous allez descendre tout en bas, objet cosmétique, tenue planeur et emote. Vous allez cocher et vous allez descendre tout en bas. Là, du coup, voilà, c'est ça. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture. Vous allez attendre un peu. Et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Envoi du signalement. Là, vous allez faire le bouton fermer. Vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là, vous allez sélectionner un skin. Exemple, moi, je choisis ce skin-là. Retourner dans Dev Box. Vous allez retourner dans votre casier. Vous allez sélectionner encore un autre skin que vous ne voulez plus avoir dans votre casier. Exemple, ce skin-là, il est moche. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Alors, ce que j'ai fait signalement et retour. Je vais signaler un bug. Je descends tout en bas. Objet cosmétique, car la même chose qu'avant. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Refaire la capture. Vous allez attendre quelques secondes. Continuer et accepter. Envoi du signalement à Epic Games. Là, vous allez sur le bouton fermé. Et simplement, on va attendre 1 à 2 jours avant que Epic Games voit votre erreur. Simplement, comme quoi votre skin est bugué et dégrade les performances du jeu. Et soi-disant, on doit obtenir des tickets de remboursement. Exemple, là, j'ai fait la manipulation pour 2 skins. Normalement, je dois obtenir dans mes paramètres 2 tickets de remboursement. Voilà, simplement, là, je suis à 0. Normalement, dans 48 heures, dans 24 heures, normalement, je sais pas. Je dois obtenir 2 tickets de remboursement. À simplement, c'est pour ça, les gars. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et comme d'habitude, je t'invite à te rendre dans la boutique Fortnite et de mettre le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. C'était Fintech, allez, ciao tout le monde.